Salut à tous! Je m'appelle Valeria et ici je vous enseigne le français. Donc bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo très spéciale pour vous. Vous allez passer la journée avec moi, la journée entière. Donc aujourd'hui je me suis lancée un défi. Je vais parler français toute la journée. Je vais essayer de le faire avec vous, pour vous. Donc on est samedi. C'est le matin, il est 8 heures du matin, c'est pour ça que je suis pas maquillée du tout. Et ça va être intéressant aussi pour moi. Donc on va passer la journée avec mon mari aussi. Je vais vous présenter un petit peu plus tard et on va déjeuner bien sûr. Après on va faire un peu de sport. Après on va aller à la mer. Donc ça va être très très intéressant et très beau aussi. Allez, c'est parti. Alors, ce qu'on va faire maintenant, bien sûr, on va faire un petit déjeuner. Donc, je vais mettre un peu d'eau. Le matin, ça fait du bien. On aime bien manger des céréales le matin. Je mange aujourd'hui ce matin. J'ai décidé de me faire une petite crêpe, mais c'est pas une crêpe originale, traditionnelle, on va dire. C'est une crêpe faite des flocons d'avoine. Il y a deux œufs, il y a quoi dedans? Il y a un peu de sucre. Donc ça va être bon et j'adore faire ça le week-end. Et ça, c'est le café, du frais café, qui va être prêt bientôt. Voici notre petit déjeuner. Il est vraiment petit, mais pour lui, non, il n'est pas petit. Alors, assis-toi. Je vais te présenter à mon public. Lui aussi, il me filme. Pourquoi tu me filmes? Viva Bono. Napoléon. Alors, le café, une crêpe avec du miel. C'est du miel avec de la framboise, c'est pour ça que c'est une couleur comme ça, rose. Donc voilà, et lui, la cacha, je sais pas, des céréales, c'est du riz avec un peu de cacahuète. Voilà. Il aime bien ça le matin. Il est sportif, c'est pour ça qu'il mange beaucoup. Et moi aussi, je mange beaucoup, j'aime bien manger. Alors bon, on est sorti. Il fait pas froid, mais il fait gris et il pleut un petit peu. Donc j'aime pas trop le temps, je préfère quand il y a du soleil. Bon, on va aller à la salle de sport, ça va nous remonter le moral, ça va nous faire du bien. Il y a une petite église là au fond, vous voyez. On habite ici. Alors, on est déjà en voiture. Oh, qu'est-ce que je voulais vous dire? Que ça va être un peu bizarre de parler français quand tu habites en Russie. Et les gens vont me regarder bizarrement, mais on s'en fiche. On s'en fiche. Alors, en parlant de ce qu'on va faire aujourd'hui, tout d'abord donc un peu de sport comme j'ai déjà dit, après quelques magasins, on doit acheter de la nourriture pour notre chatte, après la pharmacie, après je pense qu'on va aller déjeuner à la maison et puis on a prévu une chose qu'on attendait depuis longtemps.
longtemps, c'était une session photo à la mer. Mais je ne sais pas si on va pouvoir le faire car le temps est vraiment il fait gris et il pleut. Bon ben voilà, je vous montrerai un peu de Kaliningrad. Alors ça fait, j'ai fait 40 minutes de cardio, je fais la marche parce que j'aime pas courir, ça me fatigue beaucoup et donc maintenant je vais faire les jambes. Malheureusement dans la semaine j'ai pas trop la possibilité d'être active parce que mon travail consiste à faire du marketing digital sur internet, donc tout se passe sur ordinateur et je bouge vraiment vraiment peu. C'est pour ça que le week-end j'essaie d'être active. C'est pas toujours le cas mais j'essaie. Donc allez, on y va, on va faire un peu d'entraînement physique. Des barres de protéines, j'adore ça, des vegan. Allez, on est rentré. J'ai déjà lavé mes cheveux, comme vous voyez bien. Et on n'a pas fait la pharmacie, on n'a pas fait les magasins, on n'a rien fait du tout. On a juste acheté des barres de protéines et c'est tout. Parce qu'on avait vraiment peu de temps pour tout faire. À 16h, on doit déjà être... on doit déjà récupérer la copine qui va faire des photos de nous. Et donc, non, on n'a pas eu le temps. On a reporté tout ça à demain. Et là, je vais manger. On va manger. Et petit point, pourquoi je mange du vegan, pourquoi vous avez vu ça écrit vegan, parce qu'en fait je suis intolérante au lactose et mon mari pareil, il est intolérant et c'est pas le problème de digestion, donc j'ai pas mal au ventre, rien du tout, c'est juste c'est la peau qui a le problème. Et après, on a des gros boutons sur le visage. Et avant, j'avais beaucoup de boutons. Mais là, ma peau, elle est vraiment pure et nette. Et donc, je préfère être comme ça qu'avec les boutons. C'est pour ça. On ne mange pas de lait. On ne mange pas de produits laitiers. Rien du tout. Et voilà. Bon, on peut vivre avec. On peut vivre avec ça.
c'est notre casino local qui est autorisé en Russie parce que en Russie, d'habitude, le casino c'est interdit. Et c'est un de 4 ou un de 5 qui est autorisé. Voilà. Trouver une place un peu déserte où il n'y a personne pour faire des photos. J'espère pour faire de belles photos pour voir, regarder cette beauté. C'est joli, j'aime bien la mer. Écoutez les vagues. Bonjour. Bonjour. Ah, froid, c'est froid. Alors, on est rentré, il est 20h15. J'ai déjà fait un peu de poisson, donc on va manger ça avec un peu de riz. En fait, on a tout fait, on a fait une session de photos. Après, on a tout acheté, ce que je voulais acheter. Donc, c'est... il y a tout, il y a des fruits, des légumes. Il y a un peu de produits, de la nourriture pour notre chatte. Brioche. Waouh. Elle est très sociable. Très sociable. Elle aime bien jouer. Et donc, il y a un peu de tout. Et je suis très contente. Et même de la viande. Pour toute la semaine. Donc demain, on est libre. Et c'est génial. J'aime bien être libre dimanche. Être reposé pour toute la semaine qui vient. Voilà. Coucou. Bon, on va finir cette journée. Merci d'avoir passé cette journée avec moi. Dites-moi dans les commentaires si c'était trop vite ou si c'était trop lent pour vous. Donc la façon dont je parle. J'ai essayé de le faire, intéressant pour vous aussi. Mais... sachez que c'était la première fois pour moi de vous montrer ma vie et je ne suis pas habituée de le faire et de le faire comme ça à travers le vlog, à travers la caméra et c'était la nouvelle expérience pour moi aussi. Mais j'essaie de faire ce que je pouvais faire pour vous et voilà, je vous montre la vie que je vis. Je vous montrerai aussi les photos qu'on a reçues. Déjà, il y a quelques photos qu'on a reçues. Elles sont magnifiques. Moi, je suis très, très fan de ces photos. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao. Bonne nuit. Je voulais dire une chose. N'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne. Voilà. Et maintenant, à très bientôt. Ciao.